Robin, nous imposons nos mains sur ta tête. En tant qu'apôtres de paix, unis dans la paix de Jésus-Christ, par cette communauté de foi globale pour t'ordonner à l'office d'apôtre et membre du conseil des 12 apôtres au sein de la communauté du Christ. Nous le faisons avec une gratitude profonde pour le mouvement de l'Esprit dans ta vie qui a façonné ton chemin en tant que disciple et qui t'appelle maintenant à continuer à porter ton témoignage à travers des proclamations d'évangiles appropriées, la mise en place de communautés nouvelles, de paix et de justice aux endroits où vous serez appelés à servir. Dieu, nous sommes reconnaissants pour la présence de ton esprit dans la vie de ceux et celles qui ont fait partie du voyage de Robin, surtout le soutien dans l'amour de sa famille. Ses expériences de la vie l'ont façonné en un témoin spécial avec beaucoup de dons. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour sa compassion profonde, son engagement à créer un foyer spirituel pour ceux et celles qui cherchent la vérité, la compréhension, l'acceptation au sein de cette communauté d'amour et de vision prophétique. Sa volonté de rentrer dans les expériences de la vie des autres et de souffrir à leur côté à travers leur voyage vers une plénitude spirituelle et physique continuera à être une bénédiction pour l'Église. Nous te remercions aussi pour les dons de Robin dans le domaine de l'écriture, une articulation claire du message du Christ exprimé à travers ce mouvement, les talents à diriger et renforcer les autres pour qu'ils puissent découvrir comment eux aussi ils peuvent incarner l'Évangile en relation avec autrui. Dieu, donne-lui la force, la clarté, alors qu'elle répond à des besoins de tous les côtés, des priorités différentes, qu'elle puisse ressentir vivement ta présence qui la soutient. Bénis-la, alors qu'elle essaie de trouver un rythme de grâce divine qui la renouvelle, la renforce pour le voyage devant elle. Donne-lui le courage pour utiliser sa voix pour répondre aux injustices. Donne-lui la persistance pour diriger les autres dans des voies qui vont apporter une transformation et un changement durable. Nous te remercions pour le don de sa vie, son amitié, son ministère, sa volonté de dire oui à cet appel de servir. Ce même amour qu'elle donne si librement aux autres, la soutenir alors qu'elle reçoit avec humilité les bénédictions de cette communauté. Amen.